Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 mai, donc désolé si vous entendez derrière le PC qui tourne, je sais pas si vous entendez un bruit de fond, bah c'est le ventilateur du PC qui tourne à fond, parce que je suis en train de faire 2-3 trucs sur l'ordinateur. Bref, aujourd'hui c'était le contrôle de mathématiques et qu'est-ce qu'on a à dire dessus? Bah c'est l'avant-dernier, assez violent mais voilà, bah je vais vous montrer le sujet. Déjà ceux qui sont en terminale, bon le regardez pas en essayant de comprendre parce que sinon vous allez plus vous faire peur qu'autre chose. Et c'est juste pour ceux qui sont en prépa éventuellement, qui veulent voir. Alors hop, voilà. Vous mettez pause si vous voulez regarder. Et voilà pour le dos. Donc c'est bon, voilà. Donc qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Bah, pas grand-chose. Je suis allé jusqu'ici à peu près. Voilà, j'ai essayé de faire une dizaine de questions. Il y en a une ou deux que je sentais bien. Le reste, bah, j'ai tenté d'essayer. Enfin, l'année dernière, je sais que ça avait été le devoir le plus raté. Et cette année, bah, je sais pas. Honnêtement, là, je suis un peu perdu sur ce DS parce que j'avais envie de remonter un peu mes notes, mais comme c'était plus raté l'année dernière, ben, je me suis dit, bon, on va essayer quand même de faire bien et tout, et je le sens pas. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, on verra bien lundi, parce que lundi, c'est sûr, on aura les notes, mais la seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que je le sens pas du tout. Bon, de toute façon, c'est pas une note qui va changer, on va dire grand-chose, mais c'est toujours mieux quand ça se passe bien. Donc, on va pas rester arrêté dessus, on va essayer de viser plus loin, c'est-à-dire viser le contrôle de physique-chimie qui arrive. Vendredi prochain sur toute la thermo, avec un peu de cristallographie. Donc, on va bien travailler tout ça, bien travailler la physique-chimie pour essayer quand même d'avoir un niveau convenable en physique-chimie. Et les maths, j'ai l'impression que bah, pour cette année, c'est un petit peu plié, quoi. On va essayer de faire mieux sur le dernier, mais bon, si le dernier est encore plus dur que celui-ci, celui-ci, c'est celui où j'ai le moins rédigé de l'année. J'ai fait trois pages, c'est-à-dire un recto, un verso, un recto. Enfin, vraiment, ça tient sur 3 pages ce que j'ai écrit. Donc. Quand je pense que d'habitude, parfois je faisais 7-8 pages et j'étais satisfait de moi, j'avais entre 5 et 8. Le dernier, j'ai fait 5-6 pages, j'étais satisfait, j'ai eu 3. Celui-là, j'ai écrit 2 fois moins et je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Donc, j'ai peur. Mais bon, on peut pas changer un DS, il est passé, il est passé. Ça arrive de s'exploser et là, on va tous s'exploser. Enfin, je veux dire, je vais m'exploser sur ce DS, mais je sais pas si les autres, comment ça s'est passé. Ça se trouve, ils ont réussi, pas réussi. Bon, à l'appréciation générale, ça a l'air d'avoir été pas super bien réussi, mais on ne sait pas par combien vont être multipliées les notes, on ne sait pas si ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas réussi, est-ce qu'ils ont vraiment réussi ou non. Donc ça fait 3 minutes là à peu près que je dois parler de ce DS, mais on verra bien lundi. Enfin, j'arrête d'y penser parce que ça n'a rien d'y penser, c'est fait, je ne pourrais pas changer la copie. Donc ce week-end, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Un devoir libre de maths à rendre pour vendredi prochain. Comme je vous ai dit, il va y avoir une colle de physique-chimie, un DS de physique-chimie. Pas mal d'exos un peu partout, donc on reprend le rythme habituel, assez chargé, mais on a déjà fait une semaine sur les 8 ou 9, je crois. Donc ça, c'est pas mal. Les semaines vont passer très, 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 très vite. Comme d'habitude, la dernière ligne droite est la plus rapide. Beaucoup de deuxième année disaient que le mois de juin était très long, donc on verra bien, qui paraissait long vu que c'était moins 4 semaines, moins 3 semaines, moins 2 semaines, moins 1 semaine avant les vacances. Donc on verra bien, je vous dirai comment se sent le mois de juin, mais pour le moment, mai, bah, avec tous les jours fériés qu'il va y avoir, je pense que bah, ça va aller très 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 vite. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve lundi pour le compte-rendu journalier. Ciao tout le monde!